Bonjour à tous, c'est Gérasim, je suis de retour pour vous parler de théologie orthodoxe. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissaient pas très bien les bases de la théologie orthodoxe et peut-être trouvaient ça un peu compliqué, inaccessible. Alors je ne vous propose pas d'être un expert en théologie orthodoxe, ni même de devenir un patrologue, simplement de connaître un peu les bases de la théologie orthodoxe pour vous y retrouver, pour avoir les outils pour comprendre ce qui est dit sur cette chaîne, et également pour avoir les outils pour comprendre ce que disent les pères. Alors, il faut savoir que dans la théologie orthodoxe, il y a trois catégories. Finalement, c'est quelque chose d'assez simple. On n'a pas des dizaines et des dizaines de catégories, on en a uniquement trois, et qui sont en fait assez naturelles à comprendre, c'est-à-dire l'essence, l'hypostase, et l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'essence? L'essence, on peut aussi parler de nature, de substance. C'est ce que sont les choses. Un des exemples, par exemple, c'est que moi, je suis d'essence humaine et un cheval est d'essence équine, tandis qu'un caillou est d'essence minérale, par exemple. Donc tous ces sujets, tous les sujets, toutes les choses auxquelles on peut penser ont une essence, et cette essence détermine ce qu'elles ont comme attribut, comme énergie. Par exemple, moi je suis un homme, alors du coup j'ai la capacité de parler, je parle. Les chevaux, ils marchent à quatre pattes et puis ils peuvent galoper, par exemple. Les roches, elles ont tout un tas de caractéristiques, par exemple à quelle température elles commencent à fondre, si elles sont dures, si elles sont lourdes, leur densité. Alors on peut utiliser plusieurs mots pour désigner l'essence, on peut parler de nature, de substance. Il faut savoir que l'essence, ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit. C'est quelque chose que l'on devine et dont on conclut à l'existence en observant les énergies. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu une essence humaine. Simplement, comme nous voyons que les humains ont tout un tas de caractéristiques communes, qu'on observe chez tous les humains, par exemple celle de parler, celle d'avoir une âme, qui en fait est absolument nécessaire, celle d'avoir deux bras, deux jambes, de ne pas être très poilu, par exemple, pour nous différencier d'autres animaux. Toutes ces choses-là, ce sont des caractéristiques humaines, et donc en observant ces caractéristiques, on sait qu'on a affaire à un humain. Mais on ne voit jamais une essence. L'essence, c'est un concept immatériel. Et toutes les essences n'existent que parce qu'elles sont en hypostasie par des individus. L'humanité n'est pas un concept existant en soi sans qu'il y ait un humain. Il y a toujours des exemples, des instances d'une essence. Et donc on ne trouve jamais une essence toute seule. Et également, elles ont toujours des énergies. Alors il y a deux sortes d'énergies liées à l'essence. Il y a les énergies qui sont nécessaires. Alors pour les humains, j'ai parlé du fait d'avoir une âme, ou d'avoir un libre arbitre par exemple, ça c'est nécessaire. Mais il y a également des énergies qui sont optionnelles, on va dire, non nécessaires, mais qui sont quand même données par l'essence. Par exemple, il y a des humains qui sont blonds, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour un humain d'être blond. Pourtant, c'est une caractéristique humaine possible d'être blond. Alors on va donner plusieurs exemples d'essence. Par exemple, il y a l'essence équine, comme dont je vous ai parlé. Il y a l'essence humaine, donc Pierre, Paul et Jacques sont des humains, d'essence humaine, et l'essence divine. Et là, toutes ces personnes, ces sujets, ces hypostases, qui partagent la même essence, on dit qu'ils sont consubstantiels. Et en l'occurrence, le Christ est consubstantiel aux hommes, à nous, parce qu'il a la même essence que nous, mais il est également consubstantiel au Père et au Saint-Esprit. Parce que il est de même nature qu'eux aussi. Maintenant, nous passons à l'hypostase. En grec, hypostasis. Alors, je ne vous avais pas montré, mais en essence, c'est aussi. L'hypostase, ça désigne le sujet, la personne, l'individu. Par exemple, Pierre, c'est une hypostase. Jacques, c'est une hypostase. Moi, je suis une hypostase. Il y a des exemples un peu plus triviaux aussi qui sont donnés par les pères. Par exemple, un bout de cuivre, un caillou, ou alors un cheval, bucéphale, qu'on a vu tout à l'heure, c'est une hypostase. Donc ce sont des sujets, c'est ceux qui font les actions. Et également, ce sont les objets des actions, c'est ceux qui reçoivent les actions, qui subissent les actions, qui perçoivent les actions. Donc les actions, ce sont les énergies.
Elles sont uniques, c'est d'ailleurs les individus et individuels. On ne partage pas une hypostase. C'est impossible de partager une hypostase vu que ça tuerait notre individualité. Ce qui nous rapproche des autres existences, c'est les sens, c'est ce que nous partageons, mais ce qui nous distingue des autres existences, c'est l'hypostase. Cela, c'est ce qui nous est absolument propre. Et donc nous sommes distincts par nos caractères uniques. Alors il y a deux sortes de caractères uniques qu'on peut avoir. Il y a ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont possibles pour les sens, qui sont donnés comme possibles par les sens. Par exemple, je sais que mon camarade Théophane, il est plus grand que moi. Voilà, donc il est également il est barbu. Moi je ne suis pas barbu. Vous voyez, ce sont des caractéristiques qui nous distinguent, qui permettent de différencier Gérasime de Théophane. Il n'a pas la même voix, par exemple, parce que c'est ça que vous voyez plutôt que sa tête. Il n'a pas le même âge non plus. Mais ce n'est au bout du compte pas la distinction la plus importante, parce que les distinctions les plus importantes, ce sont dans les caractéristiques hypostatiques, on va dire basales, celles qui sont nécessaires, et qui en fait ont rapport à la façon dont on existe. Moi, par exemple, je suis le fils de mon père, qui m'a engendré à un certain moment, il y a quelques dizaines d'années, et c'est comme ça que j'existe, c'est ma raison d'être, ma caractéristique hypostatique, ma relation d'existence, il y a plusieurs façons de l'appeler. Et par exemple, pour Adam, c'est d'être cette caractéristique, cette relation, c'est d'être créé par Dieu. Et pour Abel, d'être engendré d'Adam. Donc toutes les hypostases possèdent en hypostasie une ou plusieurs essences. Par exemple, moi je suis humain, Bucéphale c'est un cheval, et le Christ il est humain et divin. Et elles expriment, elles possèdent les énergies. Donc quand on dit que un tel est grand, un tel, ça désigne une hypostase. Toutes les caractéristiques sont données aux hypostases. Toutes les énergies qu'on perçoit, on les perçoit parce qu'elles sont émises par les hypostases, c'est à elles qu'on les attribue. D'ailleurs, on attribue des choses aux hypostases uniquement, et c'est un peu un synonyme d'énergie. Mais on va y venir plus tard. Ensuite, je vais vous donner plusieurs exemples de caractéristiques hypostatiques, donc de relations d'origine, pour que vous ayez un peu en tête ce que ça veut dire. Donc le père, c'est la seule hypostase qui est sans cause, c'est la cause sans cause qui existe par lui-même. Et le Fils et le Saint-Esprit, qui ne sont pas des hypostases créées, sont tout du moins causées. Le Saint-Esprit est inspiré par le Père, donc c'est la procession du Saint-Esprit, et le Fils est engendré par le Père, donc selon l'engendrement du Fils de Dieu. Adam, par exemple, est créé par Dieu directement, et c'est-à-dire c'est le seul avec Ève à être créé par Dieu. Ève est créée par Dieu par la côte d'Adam, ce qui est quand même différent d'Adam. Il y a tous les humains ont une différence dans leur relation d'origine, sinon. C'est en fait ça qui les individualise dès le début, avant même qu'on puisse connaître leurs caractéristiques non nécessaires, leurs traits humains. C'est avant tout comment ils ont été créés, comment ils sont rentrés en existence. Et voilà, donc nous avons Abel qui est engendré par Adam et Ève. Et donc il n'y a que trois hypostases incréées. Toutes les autres sont soit créées, soit issues d'hypostases créées. Par exemple, Abel n'a pas été directement créé, sauf qu'on dit quand même que c'est une hypostase créée, parce que il est né d'Adam qui lui était une créature. Maintenant l'énergie, énergeia en grec. Donc l'énergie, ça veut dire tout simplement action en grec, mais ça désigne aussi les attributs, les caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a une caractéristique, nous la possédons. Tout simplement parce que nous faisons une action. Et nous sommes perçus, en fait, il y a une perception d'une énergie. Par exemple, on dit que un tel est plombier parce qu'il fait de la plomberie. Voilà. Elles sont donc perçues par les hypostases, elles permettent de connaître les hypostases et leur essence. Donc c'est parce qu'on perçoit l'apparence de quelqu'un. Qu'on peut le reconnaître et qu'on peut d'ailleurs reconnaître son essence. Quand on voit quelque chose qui a quatre pattes, qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 au garrot, qui a une crinière, qui peut galoper, qui hennit, on voit que c'est un cheval.
Et donc tout ce qu'on attribue aux choses, à l'exception évidemment des caractéristiques hypostatiques dont je viens de vous parler, c'est selon l'énergie. Enfin, les caractéristiques hypostatiques sont des types d'énergie. Mais ce ne sont pas les énergies les plus courantes, on va dire. Elles sont donc produites par une hypostase, sont perçues par une autre, elles sont données par l'essence. Donc on a nos, donc à l'exception des caractéristiques hypostatiques, toutes nos énergies, nous les avons parce que nous sommes d'une certaine essence, et c'est pour ça que nous pouvons les avoir. Donc il y en a deux sortes. Il y a celles qui sont nécessaires. Par exemple, comme je suis un homme, je suis forcé d'avoir un libre arbitre, sinon je ne serais pas un homme. Et il y a celles qui sont possibles, tout simplement. Je suis un homme, je peux être blond, brun, je peux être chauve aussi, ça n'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose qui est possible. Et on peut partager des énergies avec une autre personne par la synergie, et on va voir comment ici. Alors, je vous ai fait un schéma de comment ça marche. Donc une énergie, c'est ce qui relie un sujet à un objet. Il n'y a pas d'énergie sans sujet, sans objet. Donc Adam mange la pomme. Donc Adam c'est le sujet, la pomme c'est un objet, c'est également une hypostase, et donc l'énergie c'est il mange la pomme. Donc du coup on peut caractériser Adam par le fait qu'il est mangeur. Bon, c'est pas très intéressant, mais vous voyez comment on attribue les caractéristiques. On peut dire de la pomme qu'elle est mangée. maintenant je vais vous parler de la participation ou de la synergie. Donc la participation c'est quand plusieurs hypostases font une chose en même temps. Alors on va... D'abord, il y en a deux sortes. Il y a celle où les deux sont causes, et il y a celle où il y en a une qui est cause, ou enfin une ou plusieurs qui sont causes, et d'autres qui sont nécessaires à ce que l'action arrive, mais qui ne sont pas causes non plus. Donc, par exemple, un exemple en fait, l'exemple chef de la synergie, c'est la façon dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent, comme on voit dans la lettre à Ablius de Saint Grégoire de Nice, qui s'appelle aussi Pourquoi il n'y a pas trois dieux. Nous savons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent tous de concert, qu'ils ont tous créé le monde en une seule action, parfaitement. C'est pas un qui a commencé, l'autre qui a fait la moitié, jusqu'à la moitié, et le troisième qui a fini. C'est les trois qui agissent en même temps, vraiment comme un seul homme, comme une seule action. Après, nous avons celles qui sont plus courantes, en fait, dans le monde matériel. Alors, le monde matériel, évidemment, c'est une... C'est l'objet de conjectures, et contrairement à la révélation, on n'est jamais certain exactement de ce qu'on peut percevoir, et de où est-ce que qui sont les hypostases, qu'est-ce qu'elles font et quelles sont les essences. Mais comment dire, comme c'est un modèle, pour prendre des exemples, c'est aisé de les prendre dans le monde matériel. Donc par exemple, quand Pierre et Paul peignent une icône, sauf qu'eux, ils vont pas le faire parfaitement. Certainement, il y en a un qui va faire certains coups de pinceau et l'autre qui va faire d'autres coups de pinceau. Ou alors l'un va faire les dessins et puis l'autre va colorier. Ou alors l'un va faire la première moitié, l'autre la deuxième moitié, vous voyez. Et après, donc il y a la participation, la synergie qui est non causale. Donc il y a une des hypostases qui est impliquée dedans qui n'est pas cause. Un des exemples faciles, ce sont les miracles. Alors les miracles seulement et le salut, la théosis, la façon dont nous sommes déifiés, ce sont des choses qui nécessitent notre consentement. C'est-à-dire que la raison pour laquelle des miracles arrivent par le biais de saint homme, c'est parce que les saints hommes participent aux énergies divines volontairement. Ils ont aligné leur volonté sur celle de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont sauvés. Cependant, ce n'est pas eux la cause des miracles, parce que les miracles, ce sont des actions divines qui ne peuvent être faites que par que par Dieu. Mais donc l'agrément de leur volonté est nécessaire. Donc par exemple Grégoire qui est déifié, qui fait un miracle, Saint Grégoire, n'importe lequel d'ailleurs, il y en a pas mal. Ensuite, nous avons la participation où l'hypostase qui participe n'est pas causale et ne donne pas son consentement, il n'y a pas besoin de sa volonté. Et un des exemples... qui vient à l'esprit, c'est quand, par exemple, Dieu fait des miracles à travers des objets. C'est-à-dire que ce ne sont pas les objets qui font les miracles. Les objets n'ont pas besoin d'être d'accord, d'exercer leur volonté libre pour agréer Dieu dans son action. Cependant, il est nécessaire que l'objet soit là. Parce que, enfin, dans cette action-là, par exemple, dans le récit de Serpent d'airain, Dieu guérit à travers le serpent d'airain, et sans le serpent d'airain,
ne guérirait pas. Après, il aurait pu, comment dire, guérir les gens d'une autre façon, mais dans cette configuration-là, dans cette action-là, le serpent des reins est nécessaire. Un autre exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est avec Ève. Ève, elle n'est pas créée par Adam d'aucune manière, elle est créée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par Dieu. Cependant, elle est créée à travers la côte d'Adam. Donc la côte d'Adam était quand même nécessaire à la création d'Ève. Et elle n'a pas consenti, la côte d'Adam. Et cependant, elle n'est pas causale non plus. Et donc nous avons fini avec nos trois catégories, qui sont simples finalement. Et maintenant, on va voir